Nous allons voir comment programmer un enregistrement sur la Freebox Révolution à partir de votre téléviseur et de la télécommande. On a d'autres possibilités également avec la Freebox, c'est-à-dire d'utiliser son ordinateur pour programmer des enregistrements. C'est des enregistrements à distance. On verra ça dans une autre vidéo à l'occasion. Donc là, pour commencer, vous allez démarrer la Freebox TV en appuyant OK sur votre télécommande. Vous vous mettez sur n'importe quelle chaîne, ça n'a pas d'importance. Vous verrez par la suite qu'on peut modifier ce choix. Et on va appuyer sur la touche rond rouge de la télécommande, située entre les commandes de volume et de changement de programme, c'est-à-dire juste en dessous de la touche de suppression de son sur la télécommande, ce qui provoque l'affichage de ce menu. À partir de là, on va choisir la chaîne sur laquelle on veut effectuer le programme. Donc là, admettons, je veuille enregistrer Arte. Je me place sur Arte. J'appuie sur OK sur la télécommande. Je choisis ensuite la date. Admettons que ce sera mardi 17 décembre. Là, tous les choix s'effectuent à l'aide des croix directionnelles sur la télécommande et systématiquement, la validation se fait par la touche OK au milieu de toutes ces flèches. Voilà, à midi 30. Par exemple, à midi 30, pour une durée de 2 heures, le nom du programme, on peut l'éditer, donc on se positionne dessus, on appuie sur OK, et à ce moment-là, vous avez le clavier qui apparaît. Bon là, je vous passe les détails, mais bon, c'est assez fastidieux. Vous avez la possibilité de connecter un clavier sur votre Freebox, il faut savoir que ça existe sur les prises USB qui est en façade, qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Mais bon, là, pour l'instant, je passe. Je vais revenir sur mon menu en appuyant sur la touche rouge de la télécommande, la flèche qui fait un demi-tour. Voilà. Les options avancées qui nous permettent d'aller donner un nom secondaire à l'émission pour votre classement. La qualité de la vidéo. Alors ça peut être intéressant si vous rencontrez des problèmes avec la bande passante, c'est-à-dire si parfois vous avez des gels d'écran, ça peut signifier que vous n'avez pas beaucoup de débit internet, des fois parce que votre connexion ADSL n'est pas forcément suffisante. Donc à ce moment-là, vous avez la possibilité d'empêcher le mode automatique et d'aller vous régler sur bas débit. Ça peut solutionner certains problèmes. Ce n'est pas systématique, mais bon, il faut savoir que ça existe. Là, je vais me remettre sur automatique. Le type de flux va dépendre si vous voulez passer par votre connexion téléphonique, donc votre ADSL ou fibre, ou si vous voulez enregistrer le programme dans sa version TNT. Alors bien évidemment, ça sous-entend que vous êtes connecté à une antenne TNT et que votre chaîne passe par la TNT. Parce que dans le bouquet ADSL, il y a parfois des chaînes sur Freebox qui ne sont pas diffusées en TNT. Donc ce choix apparaît uniquement lorsque la chaîne est diffusée sur la TNT. Là, on va laisser en automatique. Et la répétition peut être utile si vous enregistrez de manière récurrente des émissions. Donc là, on va simplement aller cocher les jours de la semaine sur lesquels sont diffusés, sur la plage horaire sur lesquelles est diffusé le programme que l'on programme. Donc là, on va dire que c'est tous les lundis, par exemple. Donc, je me positionne sur le lundi, j'appuie sur OK sur la télécommande et j'appuie sur la touche rouge de la télécommande pour revenir. Là, on arrive... un check, donc ce sera sur Arte tous les lundis de 12h30 à 14h30, durée 2 heures, dont du programme Motus. Voilà. Je me mets sur retour, j'appuie sur OK. Le programme n'est pas encore complètement terminé. Il faut que j'aille sur OK en bas à gauche de cet écran là et je valide avec OK sur la télécommande. Voilà, enregistrement ajouté et l'enregistrement se déclenchera à la date et à l'heure que j'ai programmé par ce système.